Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour mon let's play de Pokémon Saphir Alpha. Alors, je voulais aller à la boutique, mais Flora m'a dit que le professeur Cosmo a été enlevé. Donc du coup, on va aller au site Météor pour découvrir ce qui se passe. Ah si, en plus, on peut récupérer la capacité tunnel. Donc dans le dernier épisode, nous étions sur la route de Otekia. Alors si on s'affrontait à la pêche, tu n'auras aucune chance contre moi. Ok. Ok si tu veux. Pas avoir les barres de vie. Icrapet. Le. Donc lui, il commande de type O, je crois. Abri. Fait abri. Genre lui il fait abri. Du coup, je refais fois enjôleuse sur lui. Coup double. Aïe. Aïe. Et du coup, je lui fais faire réveil forcé. Pas mal. Gros yeux. Et c'est bon, il est KO. Je crois que j'en ai trop mis 4 ou 3. Et hop, le pêcheur a perdu. Ah non, il n'y a pas encore perdu. Wellmer. Et réveil forcé. Pas mal. Oula, ça va faire mal, ça va faire mal. Ah. Et donc, du coup, moi je te fais encore réveil forcé. Encore roulade et le son du jeu. Ouais, c'est bon. Il est en train de récupérer le son du jeu via Audacity sur mon PC. Comme je l'ai dit. Et redit. Au niveau 29. Cool. Mini rondelle. Mini rondelle a monté de niveau, donc c'est cool. Mais on va envoyer Abracadabra. Pour jeu de mots. Absolument. Je suis désolé. En même temps, il met du temps à se remettre l'écran. Lui il veut se battre, il envoie qui? Je ne sais pas qui l'envoie, je vois pas tout le texte. Un Léviator! Pas mal! Niveau 23, je crois. Mais moi, je m'en fous d'intimidation parce que moi j'attaque en spécial. Magnum! Ah oui, il fait mal quand même. Mais c'est bon. J'ai fait rafale pistons sa bouche et il devrait pas résister. Et c'est bon. Ah, Abracadabra. On va se soigner Abracadabra. Avec des sonnets cool. Ah oui, on va soigner aussi le petit Skitty. Ah, j'irai chercher une pierre lune après. Après, j'irai voir les Scélérocs. Pour le... Une pierre lune, pourquoi, à votre avis? Pourquoi? C'est vrai, c'est un Pokémon. On va voir ça tout de suite. Oui, c'est un Pokémon en tout cas. Voilà. Et c'est quoi comme Pokémon? Un Sévipère? Pas mal. On va pas le capturer. Rafale Psy.
Il est mort. Il est mort. Et niveau 29. Du coup, on va envoyer Yen. On va voir l'œuf. Bon, il bouge de temps en temps, il devrait bientôt éclore. Bon bah, ok. Du coup, hop, Yen. On veut peut-être pas les battre, elle ou eux. Ouais, ma base secrète sera peut-être aussi de météore, on sait pas. On ne sait pas. C'est un Pokémoniac, un gars liquide. Contre une hyène. Moi. Ah bah lui, il a éclat de roc. Il a encore gros feu. Pour les tremblements causés par moi. Je sais pas, une calorie et deux parts de vie. Ah. C'est bon, je l'ai battu. C'est peut-être des Tilton. Voilà, c'est des Tilton. Si on trouve des Tilton. Ou des Tiltons. On le ressent un petit peu quand même. Voilà, je prends la fuite. Ah, il a plus fuite. Ah mais oui, je crois qu'il a intimidation, quelque chose comme ça. Ah, moi, c'est éclat de roc. Éclat de roc. Il y a un truc normalement ici. Ah, un combat. Voilà ce qu'il y avait en fait. Il y avait un combat. Contre un rat caillou. Rat caillou. Fait fuite. Il y a une protéine. Sympa ça. Ah. Ah, vous là, qu'est-ce que vous faites avec le professeur? Hé, répondez. C'est sympa le camping, on pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont les combats Pokémon. Ok. On va voir un petit peu tout ce qui est en transparence. Tous les jeux que j'ai. Un Posipi. Un petit peu les barres de vie. Je suis désolé si ça tremble. En même temps, je suis en train de cadrer. Aïe. Voilà. Ah, il est pas mort. On va un petit peu la barre de vie de l'autre Pokémon. Oh, mon bras fatigue. Au secours. Mustiole. Et donc, hop, moi je lui fais ça. Et c'est bon. Je suis désolé si on va pas tout le temps. Mais, barre de vie. Allez, niveau 29. Allez. Voilà, niveau 29. Son niveau 29. Thank you.
Oh, peut-être envoyer mini rondelle. Et l'œuf, il en est où? Il devrait bientôt éclore. Il bouge de temps en temps. Ok. Donc là, on envoie mini rondelle. Ah, le site météore. Que de souvenirs. De la poudre d'énergie. Ah mais quand même pas mal de bases secrètes à faire ici. Je verrai si j'en fais une ici. Mais je ne la ferai pas en épisode. Parce qu'en fait moi je veux juste... Enfin, je veux pas qu'on sache où elle est ma base secrète. Voilà, quoi. Je la dirai tôt ou tard. Mais. Pas maintenant. Un goélide. Bon, en plus, on n'a pas vu une hirondelle depuis longtemps. Ça fait plaisir de le voir un petit peu, non? Poisson monte au niveau 30. Je n'évolue pas encore. Ah, le temps que la webcam comprenne qu'il faut pas trop éclairer. C'est une mauvaise idée de grimper. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire. C'est bon. Le son du jeu s'enregistre toujours. Montagnard. Oh, tous les coups, ils vont faire un racaillou. Voilà. En fait, des montagnards, c'est simple. On sait que le Pokémon, ils vont envoyer. Ouais. Du coup, je lui fais Eldacier. Là, c'est bon. Ah, il est pas KO. J'ai pierre. Aïe. Attendez. Il reste combien de points de vie? Je l'ai pas vu. Je verrai après. Allez, niveau 30. Au moins on l'aura vu un petit peu. Et racaillou. Ah oui. Peut-être qu'on... Oh, ça va. Ça va, il nous reste pas mal de PV. Et hop, Eldacier. Il a fermeté, bien sûr. Ah là là. Mon Léledel est au niveau 30. J'ai bien fait de les faire. Off les dernières fois. C'est qui? C'est Love qui monte au niveau 30. Il est super bien fait. Ah, on y arrive presque, on y arrive presque. On adhère dans la lune. Ouais. C'est tout? C'est tout ce qu'il avait? Alors, on va voir où on est là. Je suis vraiment pressé qu'il éclose. En résumé, il bouge de temps en temps. Bon, du coup, je fais encore Pokémon, puis on pourra envoyer. Abracadabra! Après on fait ça. Non. Voilà. On va soigner mini rondelle ici. Mini rondelle surtout.
plus de soda cool, mais il y a de la limonade. 13 limonades, c'est super. Qui on pourrait soigner? Yen, on l'a pas soigné. Voilà, il boit de la limonade. C'est très très sucré, la limonade. Voilà. Ah. En fait, il a bien changé le site météore. Total soin, c'est cool. C'est cool, moi je dis. Ah, peut-être un drabi. Peut-être un drabi. Un Céléroc. Bah non, moi je prends la fuite. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps de... de discuter avec le Céléroc. Et vous, relâchez le professeur Cosmo. Mais... ah non, je veux le fuir de votre vie. Mais... d'où sortent ces marmots? Atomania, tu es venu? Nous devons sortir le professeur de leurs griffes. Ils sont deux. Mais nous aussi. Allez, Atomania, affrontons-les ensemble. Oui. Normalement, on les affronte tout seuls. Merci. Alors, comme ça, vous voulez vous frotter à moi. Sarah, le bras droit du chef de la Team Aqua. C'est vous qui voyez. C'est la première fois que je vois des sales gamins qui cherchent à se faire corriger par une grande personne. Je vais vous apprendre le respect, moi. C'est notre premier combat ensemble, Atomania. Je compte sur toi. Oh, la classe. Allez, on va gagner. Ils veulent se battre, on sait pas qui ils envoient, c'est cool. Crayena à ta mort. Oh, c'est gros ta mort. Non, c'est ta mort. Oui, bien fait ta mort. Alors, on va y faire rapalpsie sur ta mort. Attends, c'est pas grave s'il meurt. Il est KO le tas de morve. C'est cool. Fantardi. Il fait Fantardi sur mon... là, la gaffe. C'est mon tangue de type ténèbre. Quelle station. Serait-il KO? Non. Ah, désolé. J'ai fait tomber ma manette d'Xbox 360. Du coup, je lui fais œil miracle dans sa figure. Ah, il est confus. Ah, c'est cool. Voilà, œil miracle. Du coup, je peux le toucher. Ça fait même pas mal pour moi. Calcination. Il n'est toujours pas KO. Deux Pokémon. Ah, c'est... non. Ah, mais il perd beaucoup de points de vie. Calcination. Brûle-le au moins. Du coup, moi, j'ai fait. Je lui donne une limonade. Une limonade. Oui, j'ai 17 hyper potions. Ah, j'ai trouvé le cadre du mieux que je peux. Bon bah le lit magma il est KO. Plus de lit magma. Masco. Et le mine au niveau 30 hein. Rafalpsi sur Crayena. Ah, il est plus confus. Et voilà. Oui, parce que je fais œil miracle.
Il est 30, niveau 30. Et il a méga ascension. Carvan. Oh bah il a l'avantage. On a l'avantage. Et hop. On va envoyer les Yen. Intimidation de Yen. Lame feuille. Il est KO. Il est KO. C'est bon, il est mort. Il est mort. On a trop souffrance. Et on a gagné. On a gagné. On a gagné. Quoi? Alors ça, c'est la meilleure. Atomania, on a gagné. Si nous parvenons à allier l'énergie de la météorite et celle du mont Chimney, le monde... Non, la team Aqua rêve sera à portée de main. Vous ferez mieux de vous mêler de vos salades. Ah. Eh bien, la team Aqua, on se fait remettre à sa place par des gamins. Que cela vous serve de leçon. Qui est-ce? Ah, c'est Max, le chef de la team Magma. La team Magma ici? Comment ça? Ça commence à être entendu. Toi, va chercher la météorite. Bien sûr. Oula, le truc qui commence à ramer. Oh là 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 là. Allez, file-moi la météorite et que ça saute. Professeur. Hihihi. Merci. Hihi. À la foyure les marmots et la team Magma. Allez, en route pour le mont Chimney. Faut qu'on poursuive la team Aqua. Je m'appelle Max. En tant que chef de la team Magma, j'œuvre pour le bien de l'humanité. Si j'ai bien compris, vous êtes en conflit avec la team Aqua. Tant que vous ne dérangez pas cela ne nous regarde pas. Mais si vous vous dressez contre la team Magma, vous aurez affaire à moi. Mais qui sont tous ces gens? Je ne comprends plus rien. Professeur, tout va bien? On dirait qu'il n'a pas encore complètement retrouvé ses esprits. Ah ouais, mince, je fais une voix d'homme, en fait elle a plusieurs voix, Flora. Atomania, nous devons raccompagner le professeur à son laboratoire d'Otekia. Allons-y, professeur. Professeur, ah, quel soulagement! Ah, c'est grâce à ces jeunes gens que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite? À première vue, ils ne semblaient pas dotés de meilleures intentions. Restons sur le garde. Mais si je me fais aucun souci pour tes Pokémon et toi, Atomania, je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Accepte cette cité en guise de remerciement. La cité anti-air. 25 minutes déjà. Merci, professeur.
bien. Et maintenant, tu vas faire quoi, Tomania? Moi, je pensais continuer vers la prochaine arène sur ma route, tu sais, celle... Tu sais, c'est celle de Lavandia. Elle a toujours pas eu le badge de Lavandia. Non, mais c'est une blague. Je l'ai eu, moi, le badge de Lavandia, mais bon, c'est pas grave. Ça te dirait de venir avec moi jusqu'à Lavandia? Bien sûr, on est parti. Et j'ai pas appuyé. Je suis obligé de me retaper tout le chemin. Nous sommes arrivés à Lavandia. Je suis obligé d'attendre. On n'est pas loin du mont Chimney, mais c'est ça le type du site météore. On dit que c'était la prochaine cible. Atomania, sois prudent. Et donc, bah du coup, on est de retour à Lavandia. Voilà. Et donc, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde !